Salut, c'est Boisdin et bienvenue dans ce vlog. Vous êtes tous jaloux de mon jetpack, c'est bel et bien le titre de la BD dont je vais vous parler. Et quel titre ! Rien que ça et la couverture rouge avec le dos tissé, ça m'a tout de suite donné envie de l'acheter. Bah t'es un pigeon ? Non, et tu vas comprendre pourquoi. C'est un livre de Tom Gold, pas trop comment ça se dit, mais c'est un illustrateur écossais qui a étudié... Mais s'en fout, accélère. Ok, donc c'est un recueil de strips. Ah merci, vu le format, je m'en serais pas douté. Et ces strips étaient publiés dans un journal anglais qui s'appelait The Guardian. Je vais tout de suite vous parler du dessin qui est très simple. Des bonhommes bâtons composés de figures géométriques et des décors tout aussi simples. Le tout saupoudré de hachures et de couleurs vives. On se croirait face à un livre pour enfants. Moi aussi je peux le faire. Mais c'est pas pour les enfants, ça! Ah, ça dépend. Est-ce que tu crois en Dieu, mon fils? Taf! Bref, le style de dessin très simpliste ne vous laissera pas indifférent et sert extrêmement bien l'humour particulier de l'œuvre. Car oui, les strips de Tom Go vont vous faire rire, mais à condition d'avoir un minimum de culture littéraire, historique, scientifique, jeux vidéo ludique, cinématographique, etc. De la culture générale, quoi. Car tout l'humour est basé là-dessus. Super, une BD pour un télo, la prochaine fois parle carrément de philo, comme ça tu te mettras bien profond tes vues dans le... Attends, alors oui, avec une culture générale plutôt normale, comme moi, vous allez comprendre facilement la moitié de l'œuvre, une bonne moitié de l'œuvre. Et il y a quand même 160 pages, donc ça va. Mais Tom Go fait parfois des références beaucoup plus précises à des œuvres, à des personnages, et si vous ne connaissez pas, vous allez tout simplement passer à côté de la page. Ouais, il passe aussi bien à côté de ton vlog, là. C'est évidemment le gros défaut de la BD, mais c'est aussi une qualité si vous êtes quelqu'un de curieux. Vous ne comprenez pas un strip, et bien hop, une petite recherche sur internet suffit à parfaire votre culture et à rigoler un bon coup. Ok, alors. YouTuber de merde. Putain, t'es même pas dans le top 10! N'importe quoi. Rassurez-vous, la plupart des gags sont basés sur du connu, genre Dan Brown, Frankenstein, Shakespeare, Mario et tant d'autres. D'ailleurs, il fait souvent le mélange, le mix entre pop culture et classique. Il y a par exemple un gag avec Charles Dickens qui se déguise en Batman. Et il y a aussi des pages sans aucune référence où il exprime juste des idées un petit peu loufoques, genre un cheval mécanique dans l'espace ou expliquer les règles du baseball en un seul schéma. T'es revenu ? Ouais, quand t'as dit Batman. Pour conclure, vous êtes tous jaloux de mon jetpack et premièrement, un très bel objet et deuxièmement, une œuvre unique en son genre qui vous fera rire tout en vous poussant à la réflexion. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était en relisant Calvin et Hobbes. Que ce soit par curiosité ou pour pécho votre prof de français, lisez, vous êtes tous jaloux de mon jetpack, lisez des BD et mangez des frites.